Hello everybody, c'est Emma. Je suis chez Ti, le guide qui m'a accompagnée pour ces deux jours de trekking autour de Doi Itanon, dans la région de Chiang Mai. Je me trouve dans le village Karen de Yu Yao. Dans une première vidéo que je vous résume ici, j'ai eu le privilège de participer à un trekking privatisé avec Ti. Et aujourd'hui, je suis là pour vous montrer l'immersion à son domicile, la soirée et avec spectacle de magie et le petit déjeuner. Dans une troisième vidéo, je vous montrerai le deuxième jour de trekking ainsi que le village Karen que nous avons eu le plaisir de traverser. C'est parti pour cette deuxième partie au domicile de chez Ti. Bonjour, je m'appelle Ti. Quelquefois, Ti accueille ses hôtes dans sa maison, mais actuellement avec son bébé qui pleure parfois. Alors ce soir, je vais dormir dans la petite tente que vous voyez ici sur le côté. Ça, super d'avoir cette expérience vraiment chez l'habitant. Alors là, vous ne pouvez pas faire mieux. On est carrément dans leur maison. Devant, vous voyez trois bassins dans lesquels il élève des poissons-chats. Sur le côté ici, on voit que son épouse a préparé un feu. Je pense qu'elle est en train de cuisiner quelque chose. Donc après la marche, on peut aussi se reposer, profiter de la nature. Ou aussi aller se promener du côté du village qui se trouve ici, à proximité. Un morceau de racine de pin. Et il dit que ça brûle vraiment super vite. So we do this one for burning. Start burning. Voilà, c'est idéal pour commencer un feu. Et voici la petite famille. Voici Yaya, l'épouse de Ti depuis 3 ans, et leur fils Francis qui est âgé de 2 ans. So my wife is cooking the egg. Ce sont des œufs, mais je ne sais pas. Curry. Is it a curry? Yeah, it is the curry. Ah, c'est un coup. Un curry pas épicé, ça c'est absolument rare. He's happy too. Bye bye. Bye bye, Ka. No. Mine. Je vous propose une petite visite des installations. La maison, le jardin, la chambre d'hôtel. À vrai dire, c'était très confortable avec deux matelas et plein de couvertures. Devant un berger de citronniers. Je vais vous montrer la cuisine. La salle à manger. La cuisine. Ça là. Même s'ils ont une cuisinière à gaz, ils utilisent essentiellement le bras zéro. Avec nos yeux d'occidentaux, nous pourrions considérer ça comme une vie précaire, mais c'est une vie simple et Ti m'a confié qu'il l'appréciait beaucoup. Mijoter ici, je vais vous montrer la salle de bain. Alors voilà la salle de bain et le système de récupération des eaux pluviales dans ce réservoir. À partir de là, partent des tuyaux qui circulent sous ce plastique, ce qui fournit de l'eau chaude. Donc le matin, elle est froide et l'après-midi, elle est chaude. Ici, c'est la salle de bain et les WC. Voilà, le système taille avec de l'eau. Vous servez de l'eau pour vider les WC, comme ça. Et donc ça, c'est la douche. Simple mais utile, pratique. Pour le dîner, vous pourriez avoir des mets typiquement de culture karen ou... I don't know in English. I don't know. Ce sont des œufs, mais je ne sais pas. C'est en fait du porc longuement mijoté au feu de bois et on en a mangé aussi au petit déjeuner. C'était délicieux, servi avec du riz. On vient de dîner et Ti a fait un feu et maintenant il me fait des tours de magie auxquels je ne comprends strictement rien. Do like this and touch me stop, okay? And then I will pick that card to you. Touch me stop, okay? Stop. Okay, so I will take this card and you remember, okay? And when you remember, then
You can show to your audience your camera or put in somewhere else. I will put in here. Okay. You know, which card do you think that it is your card? I don't know. Yeah, you can take anyone as you want. I choose one. Yeah. This one. It's not yours. Okay. No. It's not yours. It will be four more. Let's have the number. I think it would be better for the audience to watch. Okay, the number. Which one do you want? I want number three. Number three. 1, 2, 3. I want to cut one more. Just take off one more. Which one do you want? Number three. Three. Yeah. This is only two cut. Take. Pick up. I take this one. Okay. One more cut. Does this one? Uh-huh. Is it mine? I don't know, because it's the only one is... Qu'en pensez-vous? It is your... Yes, it is. I don't understand anything. It's your card, you know. It's the one left behind. It will be yours. Je comprends rien. Actually, I have a lot. This magic I call dancing stick. Mm-hmm. Mm-hmm. You see? It's dancing. Yeah, okay. Mm. Oh, okay. Mm. Bon, ça bouge tout seul. Pourquoi? Donc, c'est un morceau de tissu rouge. Put it inside. Oh, oui. Oh, it's the magic, okay? Ah oui, et puis là, il n'a pas de manche, donc il n'a pas pu le cacher dans ses manches. I will take it back, okay? Oh. Ah. Oh my god, j'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Thank you. Bravo. If you want to see more magic show with the cards or with the sticks like this, so you can come and join in here so I can show you a lot. Okay. But for now. Full of smoke. Et en plus, vous profiterez d'un joli feu de camp. Yes. Good morning. The early morning, we will have the lemon juice. Okay. Qui dit bonjour et propose ce matin un bon petit déjeuner avec du jus de citron frais. Les citrons étant 100% bio du jardin. So I have some already. You can see here. Lemon juice. It is the pure lemon juice. Du jardin. Voilà, une partie du jardin est ici. L'autre partie derrière ma maison. Yeah. Alors il enlève la peau de du citron, il l'a placée dans cet appareil et ensuite il presse. Voilà, c'était la soirée en immersion chez Ti. Je recommande véritablement ce trekking avec une nuitée chez l'habitant. Merci à Ti pour son accueil. La prochaine vidéo vous montrera le deuxième jour de trekking avec la visite du village Karen. Je vous remercie infiniment de suivre mes vidéos. Merci pour vos likes et vos commentaires. À bientôt !